Eh bien, salut à tous, c'est Chaperone. On se trouve pour les résultats de WWE Raw. 3 semaines avant WrestleMania, c'est parti pour le résultat. On commence avec Kane, Big Show, Seth Rollins et Jay Sécurité qui sont dans le ring. Donc l'autorité, ils accueillent Randy Orton. Donc ils prennent tous le micro pour dire que Randy Orton fait bien partie de l'autorité. Il vient le tour de Seth Rollins de parler. Il dit que tout le monde pensait que Randy Orton voulait se venger alors qu'il n'a pas. Alors qu'il a fait qu'intégrer l'autorité à nouveau. D'ailleurs, Rollins et Orton vont affronter Reigns dans le main event de ce soir, preuve de leur réconciliation. Donc ça, c'était dans le pré-show. Ensuite, Randy Orton prend le micro et descend chaque membre de l'autorité au micro et disent que ils sont plus dignes d'eux-mêmes. Il ajoute que tout ça, c'est une stratégie de sa part pour se venger de Rollins et détruire l'autorité, car le moment sera venu avant de se raviser et dire qu'il rigole. Tout l'autorité pense que alors. Donc il a menacé l'autorité d'un coup, après il disait je rigole. Et on sait bien que Randy Orton, qu'est-ce qu'il veut, c'est le détruire l'autorité. De l'intérieur, bien sûr. Donc ensuite, pour commencer le show, on commence avec le premier match. Donc le premier match, c'est Daniel Bryan contre Bad News Barrett. Donc c'est Daniel Bryan qui remporte le match. Ensuite, il y a Dean Ambrose contre Stardust. C'est Dean Ambrose remporte le match. Donc à l'issue de ce match, une bataille éclate pour s'emparer du titre intercontinental dérobé par Wade Barrett. C'est finalement Orton qui détient la ceinture en question. Ensuite, Paul Heyman est dans le ring accompagné de Brock Lesnar. Donc Paul Heyman précise au micro que Roman Reigns ne pourra pas battre son protégé Brock Lesnar à WrestleMania, tout comme Seth Rollins ne pourra pas encaisser sa mallette contre Brock Lesnar ou n'importe. Enfin, oui, contre Brock Lesnar. Donc Paul Heyman, il avait pété un plomb là, il disait, il était en train de gueuler. Il disait que on battra pas Brock Lesnar et tout ça. C'est celui qui a battu l'Undertaker, c'est celui qui est champion, c'est son titre qui va le garder. Donc voilà. Des grands mots avant le gros pay-per-view de l'année. Ensuite, passons au troisième match. Donc Eric Rowan et Ryback contre Big Show et Kane, tag team match. Donc c'est Ryback et Eric Rowan qui remportent le match. Donc c'est Big Show qui coûte le match à Kane en lui portant par erreur son WMD. Donc à l'issue de ce match, Stephanie McMahon débarque et demande à Kane et Big Show de se ressaisir car il représente l'autorité. Ensuite, le rappeur Wiz Khalifa est venu chanter donc ses trois chansons au public de Raw. Donc il a commencé par Black and Yellow. Et ensuite il a fait Will and Boys et la troisième, je la connais pas. La troisième, il a chanté trois chansons. Donc voilà, Wiz Khalifa qui était présent hier soir. Ensuite, quatrième match, donc AJ Lee contre Summer et donc AJ Lee qui est accompagné de Paige, sa partenaire. Et Summer accompagné de Cameron. Donc c'est AJ qui remporte le match rapidement. Donc voilà, par soumission. Ensuite, une promo de Sting apparaît. Donc Sting est au micro. Il dit qu'il a entendu 14 ans pour affronter Triple H et que rien. Et que rien que pour ça, il détruira Triple H à WrestleMania. Voilà le mot. Ensuite, dans les coulisses, Rusev et Lana tombent sur John Cena. Rusev décline encore la proposition de match à WrestleMania. John Cena ajoute qu'il ne laissera pas le duo Lana-Rusev continuer à dégrader les États-Unis comme ils le font. Donc Rusev va combattre dans le match à suite. Donc Rusev contre Curtis Axel. Donc Curtis Axel, la semaine dernière, avait un peu défié Rusev en faisant le malin. Donc c'est Rusev qui remporte le match rapidement par soumission. Donc plutôt par soumission. Et voilà, il a battu vite fait. Donc à l'issue du match, Lana et Rusev prennent le micro pour s'en prendre aux États-Unis. John Cena débarque et porte plusieurs fois son STF sur Rusev au point de le soumettre et puis de lui faire perdre connaissance. Donc Lana lui dit lâche-le, lâche-le, lâche Rusev. Et finit par dire c'est bon, t'as ton match à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Voilà, c'était un peu
De celui qui retenait en otage Rusev, il a mis KO. Il a porté longtemps son STF, donc ce qui a trait la perte de connaissance. Donc voilà, John Cena, c'est officiel, John Cena contre Rusev pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Et cette fois-ci, John Cena doit tout faire pour l'avoir. Et j'espère qu'il va gagner. Ensuite, sixième match, donc Xavier Woods et Biggie contre Tyson Kidd et Cesaro. Donc c'est Xavier Woods et Biggie qui remportent le match. Donc plus rien ne va en ce moment entre Cesaro et Tyson Kidd. Ils sont en train de perdre beaucoup de matchs. En ce moment, bien sûr. Sinon, ils sont champions alors. C'est pas grave. Ensuite, il y a Noémie contre Natalia. Donc les matchs se sont suivis. Donc dès que le match s'est terminé, Noémie et Natalia sont montés sur le ring. Ils sont affrontés. Donc c'est Noémie qui remporte le match face à Natalia. Ensuite, ce qui a suivi à un autre match, donc les Los Matadores contre les Usos. Donc c'est les Los Matadores qui remportent le match face aux Usos. Ensuite, Bray Wyatt est dans le ring pour attendre. Il veut la réponse de l'Undertaker pour leur match à WrestleMania. Donc pour commencer, il y avait le cercueil et l'urne sur le ring. Donc Bray Wyatt qui a un peu cherché l'Undertaker en lui disant où es-tu, où es-tu. Ensuite, il a ouvert l'urne pour voir s'il y avait quelque chose dedans. Donc au premier regard, il n'y avait rien du tout. Il a dit il n'y a rien, il a reposé. Et là, il s'est aperçu que de la fumée sortait de l'urne. Donc c'était vraiment de la grosse fumée. Donc ça sortait comme ça d'un coup. Il commençait à flipper Bray Wyatt. Donc ensuite, la lumière se coupe. Ça fait. Et on entend le gong. Vous savez, le gong, comment dire? La cloche. Ça fait dingue la musique de Taker. On entend plusieurs fois la cloche. Et ensuite, la lumière se rallume. Et on voit la chaise de Bray Wyatt au milieu du ring. Bray Wyatt se demande qu'est-ce qui se passe. Ensuite, ça revient et on entend la voix de l'Undertaker retentir dans l'arena et annonce qu'à WrestleMania, Bray Wyatt, donc on a entendu Rest in Peace, Bray Wyatt, avec à l'écran, il y avait un mot à l'écran, donc on a entendu juste ça, Rest in Peace, Bray Wyatt. Ensuite, un éclair met le feu à. Ensuite, un puissant éclair a mis le feu à sa chaise. Et Bray Wyatt est resté au milieu du ring en rigolant, en regardant sa chaise brûler. Donc voilà, Bray Wyatt contre l'Undertaker. C'est officiel aussi. Enfin, officialisé, nouveau match. Donc là, bon. On va pas dire. La streak est en jeu face à Bray Wyatt parce qu'il n'y a plus de streak maintenant. Je crois que ça va être un dernier match. Un match pour finir en beauté. Voilà, j'espère que l'Undertaker va réussir contre Bray Wyatt. Donc voilà. Ensuite, passons au main event de WWE. Donc c'était Roman Reigns contre Seth Rollins et Randy Orton. Donc un handicap match. Donc c'est Roman Reigns qui remporte le match. Donc contre Seth Rollins et Randy Orton. Donc Orton a refusé pendant le match de prendre le relais de Seth Rollins donc pendant le match. Entraînant la victoire de Roman Reigns. Donc à l'issue de ce match, Orton est monté sur ring et a saccagé. A saccagé, bah, a détruit, a humilié Seth Rollins. Là il y a tous les mots parce que là qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a détruit là. Il lui a fait passer, ils sont partis partout dans l'arène, il lui a fait traverser la table, il lui a tapé des coups de chaise dans le public. Allez, il a tout pris là, Seth Rollins. Randy Orton était déchaîné comme jamais, comme en 2009 et tout contre Triple H ou un truc comme ça. Randy Orton était déchaîné. Et ben, Seth Rollins a pris beaucoup. Il a pris très cher et Randy Orton a beaucoup attendu ce moment de détruire Seth Rollins. Surtout quand il a rejoint l'autorité. Il devait garder ça pour lui. Et là, il a détruit là. Donc voilà, c'est fini sur Randy Orton qui détruit Seth Rollins pour conclure le show.
Donc voilà les nouveaux matchs, bah, deux nouveaux matchs annoncés. Et aussi, il y avait le tag team match de Diva aussi qui avait été annoncé. Bray Wyatt contre l'Undertaker, Dacina contre Rusev, c'était... Ah, ça s'est officialisé comme on savait déjà que ça allait arriver, donc maintenant c'est officiel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Bah rien d'autre, je crois, rien d'autre. Je crois... Attendez, je regarde vite les news. Ah, j'ai oublié de vous dire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas précisé ça dans une vidéo. À chaque fois que ça sort, je ne précise plus maintenant. Les nouveaux packs, un nouveau DLC sorti sur WWE 2K15 et c'est NXT, le NXT Arrival DLC Pack. Donc dedans il y a Adam Rose, l'Ascension, Emma et JBL. Donc voilà NXT Arrival. Avec des superstars et Diva de la NXT. Voilà le nouveau pack sur W15 qui est disponible à 7 € ou à 6,99 €. Donc je vais peut-être le prendre. Moi j'ai rien pris en DLC encore sur W15. J'ai juste Sting. J'ai rien acheté d'autre. Donc si j'achète quelque chose, bah, je prendrai bien sûr le pack NXT Arrival et le showcase. Donc voilà. Il y a aussi les DLC sur GTA, les DLC braquage. Les braquages sont sortis ce matin. J'ai pu les tester avec un de mes amis Jesse Ryder. Donc voilà, on a pu tester un braquage à deux. Et c'était vraiment de la bombe. C'était trop bien. Donc voilà, maintenant il faut... Comment dire? Il faut tester les braquages à plusieurs maintenant. Parce que ça, c'était que le début. C'était comme un prologue. Donc voilà, Adam Rose qui est magnifique, il est bien fait sur la next gen. J'ai regardé Adam Rose son entrée et c'est vraiment magnifique. Donc ensuite des nouvelles de WWE 2K16, donc le jeu WWE 2K16 qui sortira je crois en octobre, en fin d'année, bah, je veux dire fin d'année ça va plus vite. Le jeu W2K16 proposera le roster le plus complet de toute l'histoire des jeux vidéo de la WWE. Ça veut dire qu'il y aura tout. Il y aura tout le roster. Donc ça va être énorme. Donc bah, on va pas déjà parler du 2K16. Parce que bah on a, parce que ça fait pas longtemps que le 15 est sorti. Donc faut d'abord encore un peu s'amuser sur le 15. Donc voilà, donc bah, je crois qu'on va se quitter sur ces derniers mots. Et je vous dis à jeudi, à vendredi pour le résultat du WWE SmackDown. Donc on a le retour en action de Randy Orton, enfin le retour à SmackDown de Randy Orton qui avait été annoncé hier soir. Donc voilà, on est à 3 semaines de WrestleMania, ça va très vite, moi je suis impatient de voir WrestleMania 31. Ça va être mon troisième WrestleMania en live. Donc voilà, depuis mon premier c'était WrestleMania 29 que j'ai regardé en direct. Ça va être mon troisième. Avec mes amis, on va assister à notre troisième WrestleMania. Parce que je regarde toujours en ami, moi. Je suis toujours avec des amis pour regarder les shows de la WWE. Vous connaissez peut-être Jesse Ryder, Jesse Ryder, Seb Lefebvre, Jérémy, Game Crazy, Gaëtan, Roro du 03. Donc là, je vous dis à vendredi, salut! Et dédicace à tous mes amis. Salut!